La première ministre écossaise Nicola Sturgeon va demander la semaine prochaine un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. L'annonce intervient alors que la Grande-Bretagne s'apprête à déclencher le Brexit. Mais Nicola Sturgeon souhaite que les Écossais, s'ils le souhaitent, puissent rester au sein de l'Union européenne. Je vais maintenant prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'issue du processus, l'Écosse ait le choix, soit suivre le Royaume-Uni sur la voie d'un Brexit dur, soit de devenir un pays indépendant. Je confirme aujourd'hui que la semaine prochaine, je demanderai au Parlement écossais de m'autoriser à trouver un accord avec le gouvernement britannique pour lancer la procédure qui autorisera le Parlement écossais à légiférer sur un référendum d'indépendance. Dans un communiqué, l'appareil de la première ministre britannique Theresa May estime que l'annonce d'un référendum est un facteur de division qui intervient au pire moment possible. En septembre 2014, un référendum sur l'indépendance de l'Écosse avait abouti à une victoire du non à plus de 55%.